Avez-vous déjà pris le temps de méditer profondément sur le lien qui unit Dieu à votre conscience personnelle? Vous êtes-vous interrogé sur la signification de l'unité avec le divin? Dans cette vidéo, nous nous lancerons dans une quête d'exploration et de révélation, en nous plongeant dans l'idée captivante que la conscience pure et sans condition est au cœur de la divinité. Comprendre cette liaison intime peut ouvrir les portes à l'élargissement de votre conscience, révélant les mystères de l'union avec Dieu. En admettant la présence divine en vous, vous vous octroyez le pouvoir de transcender les frontières et d'accueillir une existence enrichie et en harmonie avec l'immensité de l'univers. Soyez prêt à saisir cette chance inégalée d'approfondir votre conscience et de démêler les énigmes de la connexion divine. Regarder cette vidéo jusqu'à la fin est crucial pour saisir pleinement la notion d'unité avec Dieu et la conscience sans condition. Chaque élément abordé dans cette vidéo est essentiel pour comprendre comment cette connexion intime peut métamorphoser votre existence et votre perception du monde qui vous entoure. Avant de poursuivre notre exposé, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications afin de ne manquer aucun de nos futurs contenus sur l'expansion de la conscience et la communion avec le divin. De plus, nous vous encourageons à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous, contribuant ainsi à la création d'un espace d'échange et de croissance mutuelle. Nous tenons à exprimer notre gratitude profonde à tous nos spectateurs. Il est primordial de saisir la distinction entre la conscience conditionnée et la conscience inconditionnée. La conscience conditionnée est entravée, façonnée par les expériences enfantines, le conditionnement passé, ainsi que par les influences sociales et culturelles. C'est une conscience qui adhère et s'identifie aux limitations imposées tout au long de notre existence. Dans cet état, nous sommes enclins à croire en notre séparation d'avec le divin et la matérialisation de nos aspirations. En revanche, la conscience inconditionnée surpasse les barrières et le conditionnement. Elle est exempte de toute contrainte et reconnaît notre essence divine authentique. Dans cette forme de conscience, nous prenons conscience que nous sommes co-créateurs de notre réalité, dotés du pouvoir de concrétiser nos désirs. La conscience inconditionnée nous amène à comprendre notre unité avec le divin, rendant toutes les possibilités accessibles. Écoutez attentivement ces mots, être façonné de la substance même de Dieu, toi et Dieu êtes indissociables. Ces paroles détiennent une force et une vérité incontestables. L'homme, l'univers et tout ce qu'ils contiennent sont des manifestations conditionnées par l'inconditionnel, par Dieu lui-même. Laissez-vous pleinement imprégner de cette essence. Vous êtes cette manifestation conditionnée, vous êtes Dieu incarné. Tout ce que vous attribuez à Dieu, vous l'incarnez. Toutefois, cette vérité indéniable ne vous sera révélée que lorsque vous cesserez de la chercher à l'extérieur et réaliserez que l'autre, en apparence distinct, est en réalité une extension de votre véritable moi, Dieu et homme, esprit et matière, l'informel et le formé, le créateur et la création, la cause et l'effet. Toi et ton père êtes inséparables, indissociables. Cette entité, au sein de laquelle tous les états conditionnés se meuvent et existent, est le « je suis », votre conscience inconditionnée. La conscience inconditionnée est Dieu, elle constitue l'unique réalité. Lorsque nous évoquons la conscience inconditionnée, nous faisons allusion à une profonde autoconscience, à une connaissance innée que « je suis », transcendant la simple connaissance de soi. C'est la conscience d'exister simplement, indépendamment de ce que l'on est conscient d'être. Je suis conscient d'exister en tant qu'homme, mais nul besoin d'être un homme pour être conscient de mon existence. Avant d'avoir conscience d'être quelqu'un, la conscience inconditionnée était déjà consciente d'exister, et cette conscience ne dépend d'aucune identité particulière. Je suis la conscience inconditionnée et auto-existante. Je suis devenu conscient d'être quelqu'un, et je serai aussi conscient d'être quelqu'un d'autre que ce dont je suis actuellement conscient d'être. Cependant, je suis éternellement conscient de mon existence, que je sois la présence inconditionnée ou la forme conditionnée. En tant que manifestation conditionnée, moi, l'homme, je peux oublier qui je suis et où je suis, mais jamais que j'existe. Cette connaissance de mon existence, cette conscience d'être, représente la seule réalité. Cette conscience inconditionnée, le « je suis », est la réalité qui connaît la totalité, tous les états conditionnés, toutes les perceptions de moi-même. C'est l'être conscient qui demeure inconnu même lorsque tout ce qui est connu disparaît. Tout ce que j'ai cru être, tout ce que je crois être maintenant, et tout ce que je croirai être à l'avenir ne sont que des tentatives de me connaître, de saisir cette réalité inconnue, indéfinie. Cet inconnu conscient, cette conscience inconditionnée, est mon véritable moi, l'unique réalité. Je suis la réalité inconditionnée manifestée en tant que ce que je crois être. Je suis un croyant limité par mes croyances, le connaissant défini par le connu. Le monde autour de moi est une projection de ma conscience conditionnée.
Ce que je ressens et crois être vrai pour moi se projette dans l'espace comme mon univers. Le monde, dans son essence, est le miroir de mon intérieur et témoigne constamment de l'état de conscience dans lequel je vis. Il n'y a pas de hasard, de coïncidence ou de destin à blâmer pour les circonstances qui me surviennent ou pour l'environnement dans lequel je me trouve. Le destin n'est pas l'architecte de mes fortunes ou de mes malheurs. Dans le cadre de la loi de la conscience, les concepts d'innocence et de culpabilité perdent leur sens s'ils ne reflètent pas l'état de la conscience elle-même. La conscience de culpabilité appelle à la condamnation, la conscience du manque engendre la pauvreté. L'homme matérialise sans cesse l'état de conscience dans lequel il se trouve, mais il interprète souvent mal la loi de cause à effet. Il a oublié que c'est l'état intérieur qui engendre la manifestation extérieure comme en dedans, ainsi en dehors. Dans son oubli, l'homme pense qu'un Dieu extérieur agit selon des desseins mystérieux, inaccessibles à l'entendement humain ordinaire. Il imagine que les souffrances humaines résultent d'erreurs passées effacées de la mémoire consciente, ou bien il attribue ses souffrances au destin, le considérant comme une force aveugle et capricieuse. Toutefois, viendra un moment où l'homme comprendra que le « je suis » qu'il a longtemps recherché à travers les époques est en réalité le Dieu intérieur, et que son sentiment d'existence, sa conscience d'être, constitue l'unique vérité. Ce qui représente un défi majeur pour l'homme est de saisir cette vérité, le « je suis » en lui est Dieu, son essence authentique, le seul état de certitude. Son identification en tant que fils, son image de soi, n'est qu'une illusion. Il est toujours conscient de son existence, mais la nature de cette existence est une illusion qu'il crée lui-même, le Père, dans un effort d'affirmation de soi. Cette révélation nous amène à réaliser que tout ce que nous pensions être l'œuvre de Dieu, c'est en fait nous-mêmes. « Je suis la résurrection et la vie » est une affirmation directe de ma conscience, car c'est elle qui donne vie ou ressuscite ce dont je suis conscient d'être. « Je suis la porte, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands » illustre que ma conscience est l'unique passage vers le monde de l'expression. Adopter la conscience d'être ou de posséder ce que je souhaite est l'unique moyen d'atteindre ou de posséder cet état. Toute autre tentative d'exprimer cet état désiré autrement qu'en adoptant la conscience d'être ou de posséder sera une privation de la joie d'expression et de possession. « Je suis l'alpha et l'oméga » montre que ma conscience est à l'origine de la naissance et de la fin de toute expression. « Je suis celui qui s'envoie » révèle que ma conscience est le Seigneur qui me propulse dans le monde, à l'image et à la ressemblance de ce dont je suis conscient d'être. Habiter dans un monde fait de tout ce dont je suis conscient signifie que ma conscience est le seul Seigneur, et qu'il n'existe aucun autre Dieu en dehors de moi. Restez en paix, et sachez que je suis Dieu invite à apaiser l'esprit, reconnaissant que la conscience est Dieu. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain se traduit par « Je suis le Seigneur, c'est mon nom ». Maintenant que vous avez découvert que votre « Je suis » est votre conscience d'être Dieu, ne déclarez rien sur vous-même que vous ne déclareriez pas comme vrai à propos de Dieu. En vous définissant, vous définissez Dieu. Ce que vous reconnaissez être, ce que vous nommez Dieu, et l'homme sont un. Vous et votre Père êtes un. Votre conscience sans condition ou « Je suis » est ce dont vous êtes conscient d'être sont un, le Créateur et la création sont un. Nous voici à la conclusion de cette vidéo. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles et inspirantes pour l'élargissement de votre conscience et la compréhension de votre union avec Dieu. Nous tenons à vous rappeler que la véritable compréhension de cette union dépasse la connaissance intellectuelle et constitue une invitation à vivre une expérience directe et profonde de cette connexion divine. Soyez ouverts et réceptifs à cette expérience et laissez-la vous transformer et enrichir votre vie au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Nous vous remercions de nouveau pour votre attention à cette vidéo et d'avoir participé à cette aventure d'exploration et d'éveil à la conscience divine. Avec amour et gratitude, en union avec Dieu.